نحن اليوم الجمعة 26 تموز 2024. Voilà comment dire la date du jour d'une manière simple et précise. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir vous débrouiller avec les dates. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez avoir toutes les infos pour y arriver. Vous allez voir, c'est super facile. J'ai chapitré la vidéo, comme ça vous allez pouvoir atteindre les rubriques qui vous intéressent rapidement. Tout d'abord, comment demander la date à quelqu'un? Ou comment reconnaître que quelqu'un est en train de nous demander la date en libanais? Il y a plein de possibilités. Je vais vous en apprendre deux. Une joliment construite et de la vie de tous les jours, et une peut-être légèrement plus soutenue, mais également utilisable. Nahna l'yom, ayyan nahar. Nahna l'yom, nous aujourd'hui. Ayyan nahar, quel jour? Évidemment, avec une traduction un peu plus logique, on dira « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» نحن اليوم أيانها. On peut également poser la question suivante. « شو تاريخ اليوم ?»« شو تاريخ اليوم ?» خلونا هلا نتعلم أيام الجمعة. Apprenons maintenant les jours de la semaine. Écoutez bien, mémorisez, répétez pour l'accent. « تنين ». « تنين ». تلاتة تلاتة أربعة أربعة خميس خميس جمعة جمعة سبت سبت أحد أحد. خلونا هلا نتعلم أسامي الأشهر. Apprenons maintenant les noms des mois. Il y a de la mémorisation à faire ici, et pour vous aider un peu, je vais commencer exprès par le mois d'octobre, parce que octobre, novembre, décembre, janvier, ils sont relativement simples à mémoriser parce qu'ils fonctionnent par couple, vous allez voir. Octobre et novembre s'appellent tous les deux Teshrin, mais on va quand même les distinguer en parlant du premier et du second. Teshrin al-awwal, Teshrin al-tani. Ensuite, décembre et janvier ont le même phénomène. Kenoun al-awwal, kenoun al-tani. Teshrin al-awwal, teshrin al-tani, kenoun al-awwal, kenoun al-tani. Comme ça, vous avez une belle amorce. On va enchaîner. Shbat, shbat. Azar, azar. Nissan, nissan. أيار أيار حزيران حزيران تموز تموز آب آب أيلول أيلول. Maintenant, nous devons apprendre à compter de 2 à 31. Oui, pas de 1, parce que comme en français, on ne va pas dire nous sommes le 1 juillet. On va tendance à dire « nous sommes le 1er juillet ». Alors, premier, vous le connaissez peut-être, mais je vais vous le rappeler évidemment. « Awwal ». « Awwal ». Et maintenant, on part sur du comptage classique jusqu'à 31. Soit vous savez compter et c'est bien, sinon, allez, on les apprend ensemble. Et pour les autres, vous pouvez passer à la section suivante. « Tnen »« Tlete »« Arba »« Khamse » سته سبعه ثمانيه تسعه عشره. Allez, on passe à 11. Vous allez voir, de 11 à 19, ils ont tous un point commun. Ils se terminent par H. حداش حداش تناش تناش تلتاش تلتاش أربعتاش أربعتاش خمستاش خمستاش ستاش ستاش سبعتاش سبعتاش. Allez, c'est bientôt fini. تمنتاش تمنتاش. Et enfin, تسعتاش. On attaque le 20
à Ashrin et de 20 à 29, vous allez voir qu'il y a une certaine logique, une certaine répétition, puisque on va dire 1 et 20, 2 et 20, 3 et 20. Wahda wa Ashrin, qu'on peut des fois entendre Wahad wa Ashrin, mais pour bien la prononcer, c'est mieux de dire Wahda wa Ashrin. Pareil, il vaut mieux dire Neena wa Ashrin, même si des fois on entend Neen wa Ashrin. Neena wa Ashrin, Tleta wa Ashrin, Arba wa Ashrin, Khamsa wa Ashrin, Sitta wa Ashrin, Saba wa Ashrin, Tmeena wa Ashrin, Tesa wa Ashrin. Qu'est-ce qui nous reste? Tletin, Wahda wa Tletin, 30 et 31. Allez, le reste des années, rassurez-vous, je ne vais pas vous apprendre maintenant à compter les milliers. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est 2024 et cerise sur le gâteau, je vous donne même 2025 et 2026. Elfein ou Arba ou Ashrin, qui veut dire littéralement 2004 et 20. Elfein ou Arba ou Ashrin. Elfein ou Khamsa ou Ashrin. Elfein ou Sitta ou Ashrin. Entre nous, avec ce que je vous ai appris avant, vous pourriez même aller jusqu'à 2031. Elfein ou Saba ou Ashrin, Elfein ou Tmena ou Ashrin, Elfein ou Tessa ou Ashrin, Elfein ou Tletin, Elfein ou Wahda ou Tletin. Maintenant, vous savez dire la date. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions à me soumettre ou des idées de vidéos, vous êtes nombreux à le faire. Et ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus, allez-y, je suis très à l'écoute de vos propositions. Et vous commencez peut-être à le remarquer avec le temps qu'un certain nombre de mes vidéos sont directement inspirées des requêtes que vous me faites dans les commentaires. Le meilleur moyen de soutenir À deux pas du Liban, c'est de s'abonner à la chaîne si ça n'a pas encore été fait, de liker les vidéos, d'écrire un commentaire. C'est toujours très bon par rapport à YouTube. N'oubliez pas aussi que mon activité principale, c'est vous transmettre le Libanais depuis 2018. Alors si vous avez envie de vous lancer, il y a un essai de 48 heures qui est prévu. Faites-vous plaisir. Le lien est dans la description pour vous inscrire.